Bonjour à tous et bienvenue chez Bonnes Automobiles. Aujourd'hui on se trouve avec ce nouvel arrivage. Donc c'est une Mégane 4 RS Trophy. Donc on peut retourner juste ici l'inscription Trophy. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule déjà immatriculé en France, donc pas de malus écologique à payer. Il est équipé du moteur 1.8 TCE qui ici en Trophy développe 300 chevaux. Au niveau de la couleur, on va être sur une couleur noire métallisée en option chez Renault. On y retrouve ses jantes en 19 pouces, donc bien spécifiques au Trophy avec les étriers Brembo et les disques perforés. Je vous fais une vue latérale du véhicule. Donc c'est un véhicule qui a été mis en circulation le 9 septembre 2020. Il totalise seulement 36 700 km et est affiché au prix de 40 900 euros. Je vais vous montrer le coffre. Coffre manuel. Ce véhicule est équipé du pack Easy Parking, donc il comprend la caméra de recul, les angles morts et le radar avant-arrière de détection d'obstacles. Je vais vous montrer le diffuseur avec la sortie centrale d'échappement. Au niveau de l'intérieur, on va retrouver la finition des Mégane RS style carbone avec une baguette ici. Les sièges, on va être sur des sièges full Alcantara. La climatisation pour les passagers arrière. On y retrouve ici l'inscription Renault Sport. Au niveau de l'entretien de ce véhicule, le premier entretien a été fait chez Renault et le deuxième chez un garage particulier. Bien évidemment, le cadre contrôle, donc les roues arrière directrices. Au niveau de l'avant, on est sur la même finition qu'à l'arrière avec le pack lumière. Le seuil de porte en aluminium siglé Renault Sport. On y retrouve ces sièges baquets Recaro, donc en Alcantara en option. C'est une option à 1200 euros avec brodé RS et Recaro. On s'installe dans le véhicule. On y retrouve ce volant, donc avec la partie haute et basse en Alcantara, des surpiqûres rouges. Le reste est en cuir, on a un rappel aux 12 heures en rouge. Le fond de compteur. C'est une boîte manuelle 6 vitesses. Elle a également le démarrage sans clé et la clim automatique Bizone. On y retrouve ici également une petite baguette avec un effet carbone siglé Renault Sport, le GPS. Nous allons nous attacher et procéder à l'essai du véhicule. Ici, on a le RS Drive avec les différents modes de conduite, donc confort, neutre. Perso, c'est un mode que vous allez pouvoir personnaliser. Par exemple, si vous voulez que la sonorité du moteur soit en sport, mais que au niveau de la consommation, ça soit en écho, c'est tout à fait possible. Vous avez le mode sport et le mode race avec l'ESC désactivé. Donc nous sommes situés à Barraqueville. Vous pouvez voir notre parc automobile avec tous nos véhicules disponibles à la vente. Et nous sommes partis pour l'essai du véhicule. Le véhicule est à température. Nous avons le soleil ce matin avec nous. On a également un retour à l'échappement. Vous pouvez entendre maintenant. J'avais une question à vous poser, vous pouvez y répondre en commentaire. C'est est-ce que selon vous, ce sont des véhicules sur lesquels il faut miser en termes d'investissement pour les prochaines années? Car comme vous le savez, Renault Sport a arrêté la production. La dernière sera la Mégane Ultimae. Nous en avons déjà fini avec l'essai de cette Mégane 4 RS Trophy. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à la liker ou même à la partager à vos amis, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, merci.